J'expérimente le vlog. On va aller baisser le son là. Non, c'est pas ça que je vais faire. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog concert. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo de lundi, je vais au concert de Joe Jonathan ce soir. D'ailleurs le CD est en train de tourner, le dernier. Donc voilà, je voulais vous faire un petit vlog tant que j'ai de la lumière parce que voilà, je vais essayer de vous filmer quelques plans du concert. J'espère vraiment que je vais pouvoir le faire. À l'heure actuelle, je ne le sais pas, mais on verra. Donc si vous voyez ce vlog, c'est que j'ai pu y arriver, heureusement. Voilà, je vous dis à tout de suite pour... Enfin, je vous ferai un petit récapitulatif du concert quand je serai sortie. Et sur ce, je vous laisse avec la suite. C'est une chanson d'amour. Elle nous parle de demain. On l'aime à nous rendre sourds d'un amour unique et sain. Je vais avoir l'occasion de vous chanter un mélange de mes trois albums. J'ai sorti mon troisième album il y a quelques mois, qui s'appelle Une place pour moi. Elle parle des gens un peu trop en passion, en amour, qui ont envie de très vite construire quelque chose parce qu'ils se disent que le temps est passé trop vite. Elle s'appelle Sans patience. Et ça nous conduit parfois à faire des mauvais choix. On peut passer sa vie ensemble. De dire qu'on n'est pas si mal, c'est mieux à deux, même à deux balles. J'entends parler des efforts et parler des enfants, parler sans entendre. On vit sans patience, sans réfléchir aux conséquences. On fonce, on force. J'arrive à m'auto-booster. On a tous une petite voix dans la tête. C'est comme le petit ange et le petit démon. Et on a tous une voix, je sais pas, qui nous parle et qui nous motive. Enfin, moi, je sais que je peux parler seule quand je suis chez moi, genre, oh, tu déconnes, mais tu me saoules. je m'engueule un peu avec moi-même. Mais donc, il y a des citations quand même qui font que on se motive. Il y en a une que j'aime beaucoup. Tu sais ce que c'est ? C'est pas la première fois que je le dis. Qui dit qu'on a tous deux vies et que la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une seule. Dans le sens où
il faut un peu un état d'urgence pour se dire il est temps de vivre sa vie. Et c'est dommage d'attendre cet état d'urgence, en fait. Mais c'est pas cette citation que je voulais vous dire, dont je voulais vous parler ce soir, c'est une autre, et qui m'a beaucoup inspirée pour ce dernier album, qui s'appelle Une place pour moi, qui parle justement du fait de trouver sa place, en général, et qui dit « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». Voilà, donc, on a tous nos citations, vous en avez aussi, non? Mais ce sera tout pour aujourd'hui, je ferme le livre de citations. Thank you.
Bon, j'avoue, c'était prévu. Pas la chute, hein, par contre. En même temps, je dis bonheur, c'est pas la chute. Ça marche pas bien. En fait, elle parle surtout du fait de s'abandonner à l'autre. Parce que quand on rencontre quelqu'un, même en amitié ou en amour, on commence à lui faire confiance et il va nous connaître de mieux en mieux et ça fait peur en fait quand quelqu'un nous connaît vraiment. Parce qu'il connaît nos faiblesses après et on se dit que ça peut être humiliant pour nous, qu'il peut se servir de nos faiblesses. Où sont passées les années, le bon vieux temps, les fous rires incontrôlés qu'on aimait tant. Je revois les personnages qu'on n'oublie pas, celle de la petite fille sage que j'étais pas. On n'est jamais trop sûr, je reste sur mes gars, tous les points de suture me maintenant, parce que hier j'ai dormi chez une amie avec qui j'ai été au concert. Du coup, je vlog le lendemain matin, donc vous pouvez voir ma gueule magnifique. Comme je l'avais dit précédemment, donc je vous fais un petit débrief du concert. C'était comme vous avez pu voir dans les images juste avant. C'était vraiment un des meilleurs concerts que j'ai jamais fait. Je connaissais genre toutes les chansons qui passaient. C'était trop bien. Et Joy Jonathan, fidèle à elle-même, vraiment simple, naturel, gentil, drôle. Vraiment, j'ai pas du tout été déçue à ce niveau-là. Et l'avoir chanté en live, c'était juste... C'était vraiment, vraiment génial. Donc si vous avez apprécié ce petit vlog, mettez des petits pouces dans les airs et j'essaierai d'en refaire d'autres si je vais à d'autres concerts. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous !